voit l'information, voilà des éléments clés qui déterminent la mission de votre métier que vous aimez tant, puisque vous avez choisi le métier de la parole, vous avez choisi le métier de transformation de la conscience. Vous savez, les acteurs de la communication représentent la conscience morale de l'opinion publique et aussi de la société civile. Je le dis pourquoi ? Parce que vous exposez des faits susceptibles d'aider le public à accéder à la vérité. Aussi, votre travail permet de transformer ce qu'on appelle la conscience collective. Donc, vous êtes contraints, ainsi que nous, autorités politiques, à la transparence pour permettre à la société d'évoluer positivement. N'oublions jamais la raison d'être d'un communicateur ou d'un journaliste. C'est la quête de la vérité. C'est ça la raison essentielle. Vous êtes en droit de dénoncer des méfaits ou des comportements qui nuisent au bon fonctionnement de la société. Mais vous avez un rôle clé en tant qu'acteur du développement. L'acteur des médias, le communicateur ou le journaliste, se doit, et c'est important de le dire, doit être toujours un correspondant de la paix. C'est important de le souligner. Même en temps de conflit, on constate parfois, en temps de conflit, certains font l'apologie de la guerre. Et surtout dans nos sociétés, nous le constatons. Et comme l'a dit tout à l'heure le promoteur de ce salon, c'est l'occasion de dire la vérité, de rechercher la meilleure voie en vue de redorer le blason de votre métier. Ce correspondant de la paix que vous êtes ne doit pas chercher le sensationnel. Et ne mange pas au râtelier de la presse à sensation. Malheureusement, c'est le constat. Ces titres, ces textes vont dans le sens du renforcement de la démocratie, de la tolérance, du pardon, de la valeur de la vie, de la dignité de l'homme et d'une certaine maturité dans l'approche des différences et des contradictions. C'est ce que nous demandons à ceux qui aspirent à jouer pleinement ce rôle de communicateur. Vous, acteurs de la communication, vous êtes vraiment les garants d'un droit fondamental, le droit à l'information. Je le dis, je le redis parce que vous devez exercer en toute liberté, mais avec responsabilité. Le droit à l'information n'est pas l'apanage des autorités politiques. Il n'appartient non plus aux propriétaires des médias dont vous êtes, pas plus qu'il est le monopole des journalistes, non. Je suis arrivé dans ce département de la communication où je veux véritablement redorer le blason de ceux-là qui jouent un rôle clé dans le développement de notre pays. Vous accompagnez le gouvernement. Votre mission est de soutenir l'action du gouvernement dans le sens du développement de notre pays. J'ai dit à mes collègues du secteur public que vous n'êtes pas que des fonctionnaires, mais vous êtes les acteurs de la communication. Vous devez transformer l'opinion. Et c'est votre mission d'aider à réduire les fractures sociales, à contribuer au renforcement de la cohésion
de la réconciliation. Et c'est ça votre mission première, parce que vous êtes des hommes d'influence, des femmes d'influence. Malheureusement, certains attisent le feu, opposent les uns aux autres, créent des situations de psychose permanente afin de trouver en fait des raisons qui ne justifient pas la satisfaction de l'intérêt général, mais plutôt leur propre satisfaction. C'est pourquoi je souhaite ardemment que vos échanges puissent aboutir à l'élaboration d'une feuille de route, d'un cahier de charges pour lequel vous allez assainir la profession. Je me réjouis parce que ce travail que vous allez faire sera en prélude d'un grand séminaire que je vais organiser à l'attention des médias publics et privés pour lesquels nous allons approfondir la réflexion et à partir de cette réflexion tirer véritablement la feuille de route qui va vous amener à jouer votre rôle de communicateur. J'ai déjà dit à mes collègues du secteur public, c'est pas parce que je suis leur ministre qu'ils ne peuvent pas me critiquer. Ils ont le droit de me critiquer si je travaille mal. Parce que si vous critiquez les activités du gouvernement dans un sens, c'est pour l'aider à aller dans le bon sens. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être instrumentalisé. Je vous remercie et je remercie sincèrement le promoteur de cette initiative louable que je soutiens et je veux voir naître à la fin de ce salon des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, des véritables acteurs de changement dans notre pays pour que ce pays prospère, pour que ce pays renaisse définitivement de ses cendres, pour que vous soyez des modèles, des références en matière de communication. Sur ce, je déclare ouvert le salon des médias centrafricains. Je vous remercie. Okay.